liberté, égalité, fraternité. République d'Haïti. Jeudi 4 juin 2020. Conférence pour la presse. N'a pas salué la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne, ou présent ce matin dans le cadre de conférence pour la presse. N'a profité pour une minute de recueillement pour tout policier qui tombait, sorti juin 1995 pour arriver juin 2020. Merci. La presse avec la police, c'est un oiseau de zèle. Une doit établir bon rapport avec l'autre dans l'intérêt de la société. N'a profité saluer tout policier à la ronde badet qui travaille dans quatre coins pays malgré mauvaises conditions et gros difficultés pour mettre l'ordre et la sécurité sur tout territoire national. N'a profité saluer policiers qui sont dans la diaspora. Syndicat de la police la coupe bien bas pour saluer population qui toujours accompagne dans le cadre de revendications juste et légitime, qui toujours exprime pacifiquement, sans mélanger questions politiques là-dedans, parce que la bataille syndicat, c'est la bataille droit monde. C'est bataille justice sociale. C'est la bataille pour bien-être qui donc, j'en ai toujours dit là, nous pas dans la politique. Syndicat la police là a continué lutter pour droit policier respecté tant que meilleures conditions de travail, bon gens assurance, un salaire qui prend en compte coût la vie pour nous citer ça seulement. Syndicat là pour faire respecter droit policier pour fourrer regarder les affaires wabi ak injustice pour porter revendication ak doléances policiers bay instance qui là pour ça. Tant que haut état-major la police là. Non, c'est inspecteur divisionnaire lundi Jean Lder, coordonnateur général adjoint. Lundi Jean Lder. Allez-nous. La police a profité de dénoncer persécution que quelques membres y a subi tant que convocation avec interdiction de paillomité contre coordonnatrice générale là qui c'est Yannick Joseph, policier de garde agent 2, avec arrestation arbitraire policier Pascal Alexandre de garde agent 2, avec en pile l'autre manœuvre qu'a fait pour transférer bien loin membres syndicats une façon pour déstabiliser le travail syndical. Malgré toute intimidation ça yo, syndicat a continué à demander policiers yo si pour yo à toute population haïtienne là, policiers qui dans diaspora pour toujours accompagner dans revendication yo, dans marche li yo. Dans lit la mener pour arriver gagner une police professionnelle et qui dépolitiser qui c'est seule façon pour rendre travail la police là plus efficace. Dans moment difficile pays a traversé là, syndicat a voyé toute sympathie par les familles policiers qui mourent, par les policiers qui handicapés yo. Pendant la demandé pour bon gens mais pressé prend pour policiers qui dans prison yo qu'a bénéficié mais gratis qui était annoncé par gouvernement pour décongestionner prison yo pour empêcher policiers yo contaminer à coronavirus là. Syndicat exhorté au commandement pour lui mettre un espace pour prendre charge policiers qui infectés par coronavirus là, parce que ces policiers qui dans la ria à population chaque jour yo vulnérable en pile. Yo pa ka rete la kayo même gens ak tout moun. Syndicat a annoncé nous bientôt bureau pour recevoir doléances, conseil ak revendication tout policier a l'ouvri pot li. SPNH la pral chita ak instance d'enquête qui dans la police là pour li publier résultat policier enquêté nous yo pour publier nous yo kabwe poussière. Dans la police là. Syndicat a renouvelé engagement pour protéger jusqu'au bout revendication tout policier. Pour yon la police plus fort, plus professionnel, qui travaille main en main la population pour bay plus sécurité. Vive Haïti, vive PNH, vive SPNH. Merci.
nous prenons 3 à 4 questions. Je positionne nous sur question et match qui est lancé pour dimanche et cap 7 pour le jeu. Est-ce qu'il y a un espèce d'achat même qui a pour encourager le match ça ou bien nous l'avons? On marche que nous avons lancé, il y a un spot qui a tourné sur les réseaux sociaux. Il faut connaître que c'est policier et qui nous-mêmes pouvons faire un marché. Est-ce que SPNH lui-même l'a participé dans le massa ou bien encouragé le massa? Bon, comme nous connaissons déjà que SPNH n'a pas lancé le match. Mais nous avons encouragé toute marche policière à faire qui est pacifique. Parce que toute marche policière à faire, c'est parce que problème toujours existé. Par conséquent, depuis le match à son match pacifique, SPNH l'a pas accompagné. Deuxième question. Mais les commissaires du gouvernement qui sont dit qu'on s'est croisé en groupe de 10 personnes dans la rue, l'a pas arrêté tout. Et il n'a pas besoin de parler, tout parler. Nous avons posé des questions sur ce qui a rapport avec le match qui vient pour faire là. Il dit que peu importe le monde, pour que c'est 5 personnes qui se posent en côté de l'équipe, puisque 10 personnes n'ont pas arrêté autour. Comment nous-mêmes nous pouvons voir? Normalement, moi c'est maître officier inspecteur maître Jean-Claude Lamy. Allez vite, François. Inspecteur Jean-Claude Lamy, moi c'est un avocat, ma batterie d'avocat SPNH. Nous-mêmes, tous ensemble avec la presse, avec la population, nous avons constaté que Jean, principalement, n'a dit ministre de justice, Jean Labdera, des policiers qui n'ont pas SPNH. Nous avons mis l'interdiction de départ pour le général. Nous avons mis dans quelles conditions, dans toute illégalité, nous sommes pour Jean-Pascal, nous mettons là-dedans, malgré que nous avons suivi, nous avons un avocat qui a suivi le dossier, non seulement nous avons une arrestation arbitraire, ils n'ont pas respecté l'heure pour nous arrêter, ils ont à 1h30 du matin et ils n'ont pas même respecté le mandat au flagrant de liberté pour monsieur. C'est-à-dire que nous, sans que nous ne voyons pas tout le détail, je vais revenir. Nous voyons que jusqu'ici, on a parlé de l'inspection générale mélangée ensemble avec le ministre de justice, nous voyons qu'ils ont fait corps pour écraser tout le mouvement. Alors, nous comprenons dans quelles conditions. SPNH, une grosse bataille. Bataille, ça, il n'y a pas qu'à faire sans la paix. D'ailleurs, on a profité de dire en passant. Dans quelle que soit société, côté démocratie a fleuri, presse, pas qu'à force si pas la police. Dans même société d'Azou, la police, pas qu'à force si pas la presse. Ça, c'est deux entités qui, l'une, indispensable avec l'autre. C'est ça que nous-mêmes, nous invitons la presse pour marcher ensemble avec nous. Et nous-mêmes, tout, nous tout profiter de faire connaître. Il y a trop de désordre qu'à faire. Par exemple, on va prendre comme Walki Calix. Walki Calix avec Hertz. Jean-Richard Hertz Caillou. Je vais passer le boule figure la presse. Je vais regarder pour nous comment radio qui est là. Je vais boule le boule figure la police. Et nous voyons que, on va prendre le ministre, il utilise la police même, monsieur BLTSO, pour passer mes notes illégalement nos braillons agents BLTS pour venir entrer dans la police. C'est-à-dire que nous voyons que ils n'ont pas respecté ni la presse, ils n'ont pas respecté ni la police. Et c'est deux entités qui sont capables de clé pour nous parler de la démocratie. Et voilà. Ma complété, comme dit, nous-mêmes journalistes qui présents là, même là avec nous-mêmes, et comité central SPNH, nous avons juste Alphonse Mikoto 3. Si nous arrivons là dans ce CMPAP, nous avons regardé dans les conditions comment les policiers travaillent. Si nous venons à Bétionville, nous avons regardé dans les conditions où les policiers travaillent. Nous avons demandé au Premier ministre ou encore au ministre de Justice de référence. Est-ce que lui-même prend des mesures pour les policiers ne pas pile sous pile en deux commissaires d'abord pendant qu'ils disent qu'ils mettent interdiction pour les policiers? Si je dis que nous ne pouvons pas poser des actes arbitraires face à les policiers, tant que le coordonnateur général Yannick Joseph, sans encore mettre une interdiction de débat, c'est dans des mandats légaux, arrestation illégale, parce que les policiers, Pascal Alexandre, donc on va que les policiers ont soulevé pour dire qu'il n'y a pas la rien. Si les policiers ont soulevé pour dire qu'il n'y a pas la rien, je dis, hein, on dit que c'est l'incapacité de l'État ici qui cause ça. Que le ministre de justice a assuré son état d'abord, donc pour les policiers, je n'ai plus de travail pour éviter ça. En troisième question. On va parler de persécution, est-ce qu'il y a un suivi, mais c'est qui j'ai des persécutions? Et nous disons, dans le texte soutenu, nous avons un coordonnateur général qui a mis une interdiction de départ pour lui.
arrestation illégale de Jean-Pascal Alexandre, convocation des policiers derrière la loi, et encore on a dit, policiers qui fait partie du comité central, côté que depuis moi, depuis que nous avons fait une correspondance au ministère des Affaires sociales, nous écrit DGPN à chaque ici, nous avons côté que nous présentons une liste. Et effectif et policier qui est parti au comité central là, pour effectuer le transfert, il n'y a pas j'en fais. Mais je dis là, sous l'ordre ministre de justice là, et DGPNH là, il transférait les policiers. Après, il y a Pascal, qui est un membre fondateur SPNH, il y a mis intention de départ derrière le coordonnateur général nous, et bien je dis là, il y a transféré plusieurs policiers qui font partie du comité central SPNH là. Et dans tout département, policier, ainsi que affectation sociale de SPNH pour le tailler. Il y a des attention, nous, l'autre juridiction, nous, l'autre département. Donc, c'est un des SPNH, c'est côté personnel, c'est la police. L'âge n'est qu'un chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakai, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Balakai.